Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit courrier de Foxy Lady pour mon anniversaire et pour sa participation à l'album partagé. Donc Corinne, je te remercie du fond du cœur pour ce petit courrier et surtout aussi pour ta participation qui me touche beaucoup. Donc voilà, elle m'a fait une super belle carte toute fleurie dans les tons que j'aime, en violet, rose, avec plein de papillons, de fleurs. Enfin, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ce genre de carte, on va dire. Là, elle a mis une petite fleur qu'elle a fait en découpe, une autre là. Voilà, perles de pluie. Donc voilà, et à l'intérieur, hop, j'ai bien aimé, c'est qu'elle a collé une carte derrière une enveloppe. Je trouve ça sympa comme idée. Donc c'est pareil, décorer toute la petite enveloppe. Donc voilà, et dedans, elle m'a mis plein de petites découpes. Donc, hop. Donc voilà, il y a des papillons. Je ne vais pas toutes vous les faire voir parce qu'il y a des doubles. Mais il y a des papillons. Voilà, il y a des petites. Des petites bannières comme ça. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a comme ça, il y a là, et des petites fleurs comme ça. Donc voilà, Corinne, je te remercie pour tes petites découpes. Et du coup, c'est un petit peu, voilà, elle m'a mis des nœuds et des rubans. Donc, petits nœuds, je vais mettre de côté pour mettre sur l'album partagé. Donc voilà. Elle m'a mis des fleurs, moi j'aime beaucoup, qu'elle a fait elle-même, donc dans des découpes. Et par-dessus, là, c'est tout doux, c'est un peu comme, je crois pas que c'est de la feutrine, mais enfin, je sais pas trop ce que c'est comme papier, mais en tout cas, et voilà, elles sont super, super jolies. Alors là, vu qu'il y en a une rose, c'est pareil, je la mettrai de côté pour l'album partagé. Elle m'a fait un joli crayon, alors ça j'adore, pas un crayon, une paille, pardon. J'aime beaucoup les pailles, les crayons comme ça, altérés, je trouve que c'est super joli quoi. Du coup elle a mis des rubans de couleurs différentes, en rose, là il y a du blanc, là il y a du ruban dentelé comme ça, elle a mis de la petite dentelle, excusez-moi, un petit nœud, une petite cage, petite maison à oiseaux, moi j'aime beaucoup. Elle a fait une rosace juste derrière, donc voilà, et derrière elle a marqué Foxy Lady. Donc avec un petit nœud papillon, je te remercie beaucoup, c'est super joli. Et voilà, là elle a mis deux petits boutons, j'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup. Si vous ne connaissez pas, elle a une chaîne YouTube. Donc, voilà, c'est Foxy Lady Créa. Et donc, voilà, la présentation. Sa présentation, j'ai beaucoup aimé pour présenter sa création de l'album partagé. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais... Et là, j'adore, c'est marqué « T'es un ange ». Merci beaucoup, mais non, si j'étais un ange, il n'y aurait plus de misère, il n'y aurait plus de souffrance, il n'y aurait plus, de choses comme ça qui sont pour moi horribles. Et ça, c'est sûr que voilà, le monde, il serait tout beau, tout joli. Donc voilà, c'est une petite pochette comme ça. Donc, de ce côté-là, elle m'a fait un embellissement comme ça, avec un petit tag. J'aime beaucoup, je m'en souviens de la petite pochette que j'avais fait, quoi. Et du coup, voilà.
Donc, bon, je pense pas que je mettrais, il y a deux embellissements, je pense pas que je mettrais les deux parce que voilà, après la page, il n'y a pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de place. Alors, elle m'a fait une petite pochette comme ça avec que un fond de livre, on va dire, et j'aime beaucoup. Franchement, voilà, fallait y penser, elle m'a mis des images. Alors moi, les images, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que je trouve jamais ce que je veux quand je veux faire une carte chabie, puisque je suis plus dans le chabie, je trouve jamais ce que je veux. Donc, et comme ça, au moins, ça me change de celle des images que j'ai moi, en fait. Voilà, ça renouvelle un petit peu. Et du coup, de l'autre côté, donc naturellement, je vais mettre cet embellissement-là. Alors, donc c'est la petite pochette avec un cupidon là qui tire sa petite flèche. J'adore. Et du coup, voilà. Alors ça, voilà, c'est l'embellissement là que je mettrais parce que bien sûr, c'est des anges. Et ouais, c'est trop trop joli. Donc là, elle a mis un papier gris un peu avec des écritures. J'aime beaucoup. Les anges, les demi-perles, voilà. Donc je prendrai celui-là pour faire la mise en page. Donc Corinne, tu t'inquiètes pas, la mise en page, je la fais pas tout de suite hein, parce que j'attends un autre courrier qui devrait arriver la semaine prochaine. Donc comme ça, je ferai mes mises en page les deux en même temps, quoi. Voilà. Donc, tu t'inquiètes pas, c'est pas que j'aurais oublié, c'est que j'attends d'avoir un deuxième courrier qui va arriver. Donc voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup et du coup, voilà, sa petite pochette se présente comme ça et j'ai trouvé, ouais, je trouve ça super sympa de présenter dans la pochette. J'aime beaucoup. Du coup, voilà. Du coup, je te remercie énormément de ton petit envoi qui me fait énormément plaisir, bien sûr. Voilà, toutes les participations que je pourrais avoir me feront toujours, toujours plaisir. Et pour moi, c'est que du bonheur, quoi. Voilà, c'est un super partage avec vous, les abonnés. Et vraiment, un grand, grand merci à toutes celles qui ont participé et à toutes celles qui vont encore participer. Merci du fond du cœur. Et merci, Corinne, pour ton courrier et ta petite carte anniversaire. Voilà. Je voulais juste vous présenter, j'ai fait un album, alors sur l'automne. Moi, personnellement, j'avais imaginé, voilà, pour moi, l'automne, c'est les feuilles qui tombent et tout. Mais en fait, donc je les ai fait en feutrine, mes feuilles, je les ai découpées en feutrine. Et je ne sais pas, regardez comme ça. Je trouve que j'aime pas ma présentation voilà, de mon album là, je sais pas je sais pas si c'est les arbres ou je sais pas ou si c'est les couleurs. Alors c'est un album haut en couleurs. Voilà, la page là, elle donne déjà d'entrée parce que pour moi, voilà, l'automne, c'est les couleurs qui se réveillent, c'est le rouge, le jaune, le orange. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de ma page là, mais je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, je sais pas quoi en fait. Hein, voilà. Et là, avec un embellissement en bois, j'avais Balade d'automne que j'avais commandé il y a déjà un petit moment. Et là, sur le côté, j'ai mis des feuilles comme ça. Donc voilà, et c'est la première fois que je fais en papier craft comme ça, et c'est vrai que ça me fait bizarre. Donc voilà, j'ai oublié de mettre. Donc là, j'ai donc ma première page. Là, j'ai mis des rubans marrons en lin que Maria m'avait envoyé. Et donc j'ai fait une première carte comme ça. Voilà, là je trouve que c'est moins tape à l'œil, c'est plus discret. C'est après, donc moi j'aurais, en fait, j'ai regretté. Je me suis dit j'aurais dû faire comme ça ma première page là. Après, bon, et voilà. Donc là j'ai marqué joli souvenir. Enfin j'ai marqué, j'ai mis
un sentiment, joli souvenir, des écureuils, des feuilles qui tombent, un arbre, et voilà, sur un fond un peu vert pastel. Hop. De ce côté-là, en fait, là, j'ai rien mis, c'est pour y mettre une carte que j'ai pas fini encore, mais voilà, c'est le même système que là, ça se glisse là. Donc, mon fond est comme ça. C'est vrai que c'est la première fois que je fais en papier scratch là et je sais pas, ça me fait bizarre. Donc, du coup, là, hop, ma première carte. Donc, parfum d'automne. Donc, voilà. Ensuite, l'autre, je l'ai fait comme ça. Donc, j'ai mis des fonds à chaque fois, histoire en famille d'automne. Donc là, mon fond, c'est avec des champignons, des feuilles. Voilà, ce qui pour moi, ça représente l'automne. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai fait comme ça. Et de l'autre côté, pareil, donc là j'ai mis un petit renard. Là j'ai fait une découpe à la perforatrice pour faire un peu plus joli. Et donc j'ai mis des petites cartes, voilà, sur les feuilles d'automne comme ça. Alors là j'ai pris, voilà, des tons jaunes. De ce côté-là, j'ai laissé tel quel. Donc là vous avez comme ça. Et là pareil. Hop. Là, j'ai fait un fond jaune avec les feuilles là qui, je trouve, ça cordait bien. Là, j'ai pris une découpe écureuil et derrière, j'ai fait un rappel du fond là, comme ça. Bon, ben voilà. Peu après, placer comme on veut. De ce côté-là, j'ai refait la même chose que là. Là, j'ai profité d'une belle journée. Donc voilà, je l'ai mis comme ça sur une bannière. Derrière, j'ai fait comme ça. Donc qui se glisse là. Là, j'ai fait une petite découpe et du coup, là, j'ai refait pour mettre une grande photo. Donc mon album, c'est toujours 17 sur 17. Et les pages intérieures, c'est 16. Là, j'ai laissé, oups là, là, j'ai laissé juste en fond comme ça. Alors là, j'ai mis un petit paragraphe sur l'automne avec un petit ruban. Et là, saison des couleurs. Et c'est vrai que pour moi, c'est la saison des couleurs. Voilà. Et j'ai pris le papier craft comme ça pour justement rappeler un peu le côté naturel, on va dire. Donc, ici, j'ai fait une découpe comme ça. Et du coup, voilà. Donc là, alors bon, Pamela, elle ne l'a pas vu encore. J'attends qu'elle me dise pour ma page là de départ. S'il faut que je recommence, je recommencerai. Sinon, voilà, je pense que c'est un album qui ira à l'association Hermus, puisqu'il y a beaucoup de choses, voilà, sur l'automne. Il y a les écureuils, les champignons. Bon, après, je ne sais pas, on verra bien. Donc, du coup, où je l'offrirai à quelqu'un. Donc, ensuite, là, j'ai fait comme une. Voilà, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai mis un ruban gris avec mes petits œillets, là. Profiter d'une belle journée. Et du coup, là, ça s'ouvre comme ça. Voilà, et là j'ai tout laissé en naturel pour pouvoir y disposer les photos que l'on veut. Donc voilà, il se referme comme ça. Là c'est pareil, j'ai laissé comme ça. Hop. Et là j'ai fait donc une bannière avec ma perforatrice et j'ai fait une double carte. Carte enfin pour poser des photos, voilà. Donc, tout dans les mêmes couleurs. Hop.
Donc voilà, je voulais juste vous le présenter, vous dire que finalement, beaucoup de personnes, enfin il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé pour un tuto pour le gâteau. Donc je vous prépare ça et je pense que je vous prépare ça et je pense que je vous mettrai la vidéo en fin de semaine. Dans la semaine prochaine, pardon, voilà, dans la semaine prochaine. Par contre, je partirai d'un gabarit parce que à tracer tout ça, pour moi, c'était difficile et du coup, voilà, je vais, en fait, on fera un tuto pour le pliage et pour la décoration. Donc, du coup, voilà. Corinne, je te remercie énormément. Pour ton petit envoi, pour ta participation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.